l'hélico, c'est quoi, c'est un mécano? Genre l'hélico, c'est un putain de mécano. Je veux voir ma mémé. Comment il va, Mario? Oh, il va bien. Rico, tue-moi, pitié. C'est vraiment un gros bébé. Mais mignon. Ouais, il faut le dire vite. Oh, Rico, très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait là, Zino? Ah, pour son QI, il raconte qu'il aurait aidé à militariser le Bavarium avant de déserter. Des diagnostics fascinants. Du Bavarium injecté directement dans le blindage. Une résistance totale aux balles traditionnelles, aux explosions, aux flammes. Ok, bon. Des blindés invincibles, quelle est la bonne nouvelle? On ne sait pas encore comment désactiver le bouclier. En quoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien, on sait que la plupart des pièces de ce blindé sont fabriquées dans une raffinerie proche. Ok, Dima, allons voir ça de plus près. Oh non, 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 trop dangereux! Théo peut pirater tout ça. Oh, non, 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 Théo va réparer ce blindé et ensuite on le revendra. Avec à la fois la maladie et l'antidote, on gagnerait bien plus. Oh! Tu pourrais mettre au point une nouvelle arme. Bon alors, d'accord. On part ensemble pour un pillage express. Ok, nous on fait diversion, toi t'élimines les renforts et tous les trois on attaque la raffinerie. Un très bon plan. Non, 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 on ne touche pas. Ah. Pas plus, bande de tarés. Et bien salut à tous les amis, c'est The West, et aujourd'hui on se retrouve sur Just Cause 3. Alors ils ont parlé d'une nouvelle arme au Bavarium, ça c'est une idée qui me plaît. Ah l'hélico, c'est quoi, c'est un mécano? Genre l'hélico c'est un putain de mécano. Ok, on a rendez-vous là-bas, bah tiens on va piquer l'hélico mécano, il a l'air sympa. Ok, on dirait trop, tu sais, des petits jouets pour enfants, un petit mécano. Oui, je dis pour enfants mais j'adore faire des mécanos. Est-ce qu'il atterrit vraiment sur l'eau? Ah ouais. Ah c'est kiff. Bon allez, c'est parti, rejoindre les hauteurs. Ok, on y go. Et il a pas d'armes par contre. Ouais, c'est dommage. Bon en même temps, mais conne avec des armes, ça fait pas trop. Pauvres enfants. Commence à s'entretuer, c'est cool. Ça te dirait pas de raconter un peu ce qui se passe à ton vieux Paul Sheldon? Ouais, Sheldon, t'es chiant quand même. Pas mal de gens nerveux en ce moment. Genre de type un peu beaucoup trop Sheldon, chiant. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les super blindés de Niramello? Je peux te dire des trucs, c'est vrai. Stylé quand même. Tu crois qu'il sort? Quel mec tranquille dans son petit hélico mécano là, au KLM. D'ailleurs, la main noire a payé une sacrée blinde pour ça. Genre, même le truc arrière là, il est jaune, mais il peut pas bouger pour faire tourner un hélico. Je sais même pas comment ça tourne un hélico. Je sais pas. C'est une bonne question. La main noire a signé un accord avec Tiravello. Bon, qu'est-ce qu'il dit Sheldon? On a fait une partie de la mise du Bavarium. Eh oui, là mon pote, on navigue en eau très trouble. Moi j'aime les eaux troubles. Surtout un peu le sperme ou la mouille, tu vois, c'est des eaux bien troubles, j'aime bien. Donc, plus ça, plus sérieusement, arrêtons nos conneries. C'est pas la première ville que j'ai libérée, ça? Je crois bien, hein. Je sais pas. Où est-ce que... Non, en fait, j'ai tout simplement jamais libéré. On est où? Ah, ok, on est là. Donc ça, c'est là où j'ai libéré et on est là, d'accord. Ok, très bien, d'accord. Ok, ok. Bon, est-ce qu'on doit la libérer? Parce que c'est le genre de truc plutôt facile, hein. Hop. On va descendre tranquille. Merde, je rentre dedans. J'ai pas fait exprès, je suis désolé. Hop. Je suis pas suspect. Et hop. Alors si vous voyez un hélico s'écraser... Et il est solide hein. On approche. Bon il a quand même explosé mais il est solide hein. Oh stylé les snipers. Faut que je shoote qui? Pourquoi ça explose? C'est passé quoi? Faut peut-être m'expliquer non? Ok. Subtil. Ouais, intéressant. Mais du coup, on doit tuer des gens avec nos magnifiques snipers. Ok. Il s'est fait un petit peu la malle. Il n'y a pas d'autre? Genre rien que lui. Ça, j'arrive pas à l'avoir, tant pis.
Est-ce... Je l'ai eu. Allez, bim. Enfoiré. Autre véhicule. Pas d'autre véhicule. Ah non, tu vas pas me dire qu'il y a eu juste ça à détruire. J'y crois guère. Ah là. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il aille de ce côté. Voilà, ça s'est réglé. Toi. Hop. Hop. Voilà. Ça aussi c'est réglé. Et qu'à d'autres. Un hélico, seigneur. J'essaie de tirer dans les hélices, mais ça marche le caire. Donc on va littéralement le faire exploser. Voilà. C'était beaucoup plus simple. Prochain. Quelqu'un d'autre? Non. Pas d'autres volontaires? Tiens, je vais exploser ce truc là. Ah, il y a d'autres volontaires par ici. Hop. Je vais péter sa porte. Oh merde, j'ai tiré par accident là. Eh bien mon grand. Toi. Où est-ce que tu vas mon cher? Merde, j'ai changé d'arme. Ça va pas le faire avec ça. Où est-ce que tu vas mon grand? Comment ça sécurisé? Il faut plus de balles. Faut que je l'ai. Ah. Oh. Y. Z. W. 20 sur 20. Ouh. Je te valide. Maintenant, c'est pas passé loin, j'ai envie de dire. Tu seras notre œil de faucon. Je suis l'œil de faucon. Cette expression me plaît. Elle extrait du bavarium à partir d'autres roches et métaux. Oh oh. Ah putain, c'est tellement dangereux le wingsuit avec moi. Et il y en a beaucoup de ces raffineries. Ok, ouais, hop. Un certain nombre. C'est que le bavarium utilisé pour ton super blindé venait de cette raffinerie précise, parce qu'on a analysé la composition des quelques minerais polluants. En isolant les traces de chacun et en les comparant avec carte géologique de Medici, c'était facile de... Ouais, merci Théo. D'accord. J'aurais bien voulu écouter la suite quand même. Va falloir encore utiliser du snipe, bon, ça alors, me plaît. Vous venez ou quoi? Hey, tout le monde peut pas voler, ok? C'est vrai. Faut que je vous protège, je suppose. Ça, c'est quand je zoome, il y a des méga lags. Ils allument leur phare au calme, alors qu'ils viennent d'arriver. Quel monde de PD. Vous faites quoi? Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse exploser quelques trucs comme ça. Tire sur le panneau de commande, ça devrait ouvrir la porte. Autant pour moi. Tu sais, je vois ton air suffisant d'ici. Quel air suffisant? Ouais, grave, arrête quel air. De te la jouer, Rodriguez. Ok. Le style. Ils avaient tellement le style, mon gars. Ouais, attends, moi j'étais pas prêt là. Ok, faut que je les couvre là. Il y a des ennemis là. Hop. Hop. Ça te va comme ça? Une bonne couverture, non? Tu veux la veux... Tu veux un peu plus de poils sur ta... Non, une toudoune... Ou genre rempli de plumes ou un truc dans le genre, non? Non, ouais, parce que j'ai, hein, j'ai. Hop. Bon, du coup, j'aurais pas dû exploser le baril qui était là. Là, j'arrive pas à la voir, cet enfoiré. Mais quelle pute! Mais salope! Arrête de courir, petit lapin! Ah, j'ai plus de munitions. Hop. Désolé les gars. J'ai mis plus de temps que prévu. J'arrive. Hop. Et voilà, on file. Plan B, il y a un hélico au nord dans le hangar. Allez, prends, je vous couvre. On peut pas faire de double kill. Putain, je pensais faire une accolade là au KLM. Mais pas du tout. On n'est pas dans Call of, mon grand. Hop.
Attention, ça arrive par la droite. Vous avez un très mauvais sniper. Et oui. Qui fait ce qu'il peut, mais il est quand même très très mauvais. Tac tac. Allez, on vise tout ça. On tire. Ok. On tire. Ok. On va tirer là. Voilà. Ouais, ça passe pas. C'était beaucoup trop loin. Putain mec. Ouais bah oui, je sais, je sais. Je fais ce que je peux. Mais je suis une grosse merde au snipe. Wow. Ok, c'est quoi qui arrive là? C'est un véhicule. Oh, il y a des putains de snipers. Oh, on va se calmer les gars. On va se... Ok, cachez-vous, monde d'enfoiré. Oh putain, j'ai plus de munitions, fuck. Hop. Ah mais c'est des explosifs ça. Kaboom! Vas-y, ramène-toi mon grand. J'arrive à te choper déjà. Voilà. Bah oui, c'est ce que je fais. Les gars, je fais ce que je peux. Hein. Je vous rappelle que je suis un très mauvais sniper. Voilà. Hop. Hop. Fuck! Récupère des munitions, récupère. Non, il n'y a plus de munitions. Bon, on va faire ce qu'on peut, hein. Ok, on va y aller au petit gun, ça doit être plus précis. Ok, je fonce dans le tas, on va les marave. Ah, elle est belle la voiture là. J'ai bien aimé. Ok, il y a un sniper ici. Je vais me caler là, hop. Hop, voilà. Yo, yo. Ah, c'est déjà plus simple. Ah bah désolé, mais je fais ce que je peux, hein. On va vite se calmer. Hop, on va faire péter le véhicule. Oh bah je fais ce que je peux. Oh Théo, il est presque mort en plus. Oh là là. Oh mais gars, je viens dans le combat avec vous, ce sera beaucoup plus simple, je sais pas pourquoi vous me cassez les couilles. En plus, regardez ce qu'il y a là, voilà. Il y a des armes, mais genre violentes. Genre ça, par exemple, hein, c'est beaucoup mieux déjà. De toute façon, c'est fini, ils sont là mal. Hop, je m'accroche à eux. Salut tout le monde. Ah, faut encore que je protège l'hélico. Oh putain. Bah, pour l'instant, je vois personne à tuer, donc ça va. Tout se passe bien. Faut que je défende quoi en fait? Y'a rien à tuer. Presque. On est presque tranquille. On doit aller où? Vous avez un point de... d'arrivée ou... Oh, bah je sais pas. Ok. Bon bah... Oh fuck! Voilà. Oh, ce rocket il s'est tellement barré. Ça fait la mal quoi. Un bateau. Pas de problème. Avec grand plaisir les gars. Vous allez où? Vous avez fait un détour alors que vous auriez pu aller tout droit quoi. Non mais les gars, expliquez-moi un peu le délire là. Oh, il a un jet ski. Oh. Comme quoi j'ai bien fait d'avoir pris ça. Bah par contre ça tire pas... Pas de ouf quoi. Bon j'avoue c'était pas une super bonne idée que ça quoi. Ça va les gars? Je suis surpris qu'on soit toujours en vie. Oh moi ça va. Oh pète sa mère le bateau! Je le veux! Mais vas-y mais il y a que des bateaux stylés là. Les gars c'est peut-être une mauvaise idée de passer près d'une base militaire quoi non? Non c'est pas une... Ok bah tranquille les gars. C'est une bonne idée, tranquille, on passe, allez hop. Ah mais vous êtes chelou. Oh fuck! Oh oui un hélico pour moi. Rien que pour moi. Donne-moi ça à toi. Merci mon grand.
Ah, c'est bien ça, c'est beaucoup mieux. On nous tire dessus. Un petit bateau se tirer sur nous. What? Il a des spawns. T'inquiète. Je gère. Je détruis le panneau en même temps. Ah ok, vous atterrissez ici au calme. Ouais, je me suis fait tirer dessus violemment. C'est un hélico. Et ben on va l'avoir. Nya. Coucou toi. Il a sauté. Il a sauté lui-même, ok. Il y a un autre véhicule. Ah, c'est nos alliés qui sont là. Ah non, c'est le juste l'ennemi en fait. Ah putain, il y a encore un hélico. C'est qui me tirait dessus là? Voilà. Tout plaisir pour moi. C'était lui comme un bazooka ou j'aimerais bien savoir qui me tirait dessus en fait. Bon, c'est pas grave. Ok, on a réussi la mission 3, c'est trop. Ok les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.